Mardi 3 août 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine-là. Mais quelle est la principale information qui prend le fait essentiel journal? Coordonnateur général Parti politique Haïti en action, Yuri La Tortue, m'a dépressé, pressé libération tout prisonnier politique. Il dit qu'il ferme en prison à cause de conviction politique. Dans l'occasion, Yuri La Tortue, profiter faire diverses recommandations à dirigeants pour établir un climat sécurité en Haïti. Collectif 4 décembre présenté journée mardi 3 août 2021, rapport rencontre yo di organisation te participé ak nouveau premier ministre haïtien Ariel Henry semaine passée a coordonnateur général collectif 4 décembre lan, Jean-Robert Argan qui fait konnen débat yo te chita sou différents sujets tant pour élection ak sécurité déclaré collectif 4 décembre te profité faire diverses recommandations sorti crise. Syndicat Travail et Système National Formation Professionnelle yo levé voyo journée mardi 3 août 2021 pour exiger nouveau responsable dans l'état yo pencher pressé sur revendication moun dans secteur formation professionnelle yo parmi revendication yo selon responsable syndicat Travail et Système National Formation Professionnelle yo gen finalisation environ 268 nominations pour divers centres ak paiement arriéré salaire. Collectif 4 décembre présenté journée mardi 3 août 2021 rapport rencontre ak dialogue yo di organisation te fait ak nouveau premier ministre haïtien Ariel Henry lundi passé a nan résidence officielle chef gouvernement côté sujet yo te centré sur organisation élection yo tabli yon climat sécurité gérer COVID-19 la ak relancer l'état selon coordonnateur général collectif 4 décembre lan Jean-Robert Argan qui pas caché satisfaction pour rencontre ça li di ki te bay organisation occasion pour te poser problème sociopolitique profond pays a dans l'idée pour y changer façon bagay yo a fait qu'on est collectif 4 décembre fait diverses recommandations sorti crise tant qu'on mette sous pied un gouvernement inclusif national rétablit confiance dans société a ak passer main dans cabinet ministériel là. Jean-Robert Argan c'est coordonnateur général collectif 4 décembre là qui te dans micro Galen Sui ak Jean-Sony Lemaye. Nous te recevoir une invitation du premier ministre Ariel Henry. Nous te répondre à invitation parce que nous pensons que rester pas participer à rien, rester sous côté et pas répondre à rien, pas mener à aucune solution. D'autant plus que nous avons un pays que nous tous nous connaissons, un pays qui finit démantibulé. Donc nous rencontrer effectivement le premier ministre là et ce d'entrée de jeu ça lui dit nous il dit que lui-même il a une mission qui c'est faire élection. Deuxième bagarre qu'il dit c'est sa mission principale c'est faire élection mais il dit il y a quelques autres préoccupations. Il a parlé de l'insécurité, monsieur parlait de démotivation police nationale là, et il parlait de pratiquement désintégration de l'État que nous qu'il a connu, et ensuite de problèmes que le pays a affronté avec Covid là, et finalement en tout et l'absence d'investissement que le constater au niveau du pays là. Et dernier mot que nous avons, c'est que il lance un appel à collaboration pour nous si nous sommes vraiment aider pour tirer le pays à l'engouffre côté que lié aujourd'hui. Parce que nous connaissons tous que le pays n'est vraiment pas campé sous un yé. Nous n'avons aucune structure qui a fonctionné. Nous n'avons pas aucune institution qui a fonctionné, nous n'avons pas l'État qui a fonctionné. Bref, nous sommes totalement désarticulés. Et on est à un carrefour où les choses doivent changer. Et c'est aujourd'hui que nous pensons que nous avons une chance pour nous virer ballon, virer sans vent, pour que nous allions vers un changement que tout le monde a demandé.
collectif 7 juillet 2021 qui regroupait plusieurs organisations et parti tant que Escouade démocratique, plateforme politique Victoire et Réponse Paysan, plaidait en faveur respect article 133 Constitution 1987 là qui exigeait un pouvoir exécutif qui gagne un président et un premier ministre dans tête li. Dans occasion coordonnateur général collectif 7 juillet 2021 Paul Géraud Jean-Baptiste déclaré membre collectif yo a supporté choix président Sénat République là Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti. Selon Paul Géraud Jean-Baptiste, Joseph Lambert qui s'est élu qui capable parler avec tout le monde dans la société, c'est profil idéal qui a mené bac pays dans une situation exceptionnelle. Ça. Coordonnateur général collectif 7 juillet 2021, Paul Géraud Jean-Baptiste, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson registre. Collectif 7 juillet 2021 qui regroupe une bonne organisation avec parti politique, tant que Escouade démocratique, Conscience communautaire, RASPA, Réponse paysan, Plateforme politique Victoire, COFAV, GFEN, MOPAN, POTECOLE, Femmes Soleil Élevé, Victoire Femme, Unité Force Populaire Démocratique, PLAGESA, Renouvelé Haïti, FODEP et Latrier. Absalié Premier ministre Dr. Ariel Henry, pour façon d'y accepter de rentrer dans un consensus largement large, côté chaque groupe qui est en opposition, joint pour pipiti un ministère. Dans ce sens, nous avons demandé à tous les militants de l'opposition pour rejoindre le groupe affecté juste pour réclamer ça qui revient au droit. Collectif 7 juillet 2021 a fait tout le monde connaître que l'article 133 de la Constitution 1987 là prévoit un pouvoir exécutif à deux têtes qui gagnent là-dedans, un président et un premier ministre. Et moun sa yo gen mission pour diriger le pays. Pour respect nous gagnons pour la Constitution, pour respect nous gagnons pour le peuple là, collectif 7 juillet 2021 d'accord avec choix ça, qui c'est sénateur Joseph Lambert comme président provisoire pays, parce que c'est lui, majorité parti politique. Société civile là ak organisation réclamée. Peuple a mandé sénateur Joseph Lambert, pas faire honte, pas faire fâché. Parce que sénateur Joseph Lambert, c'est une assemblée. Il ka parler et dialoguer avec tout le monde. Il a en pile expérience dans l'État. Il c'est seul président qui a envie dans trois pouvoirs, qui est président du Sénat. Sénat, c'est co-dépositaire de la souveraineté nationale. C'est seul pouvoir légitime qui rete. Dans ce sens, tout le monde est clair que. Joseph Lambert, c'est lui qui doit président provisoire pays. Et profitez pour nous dire, il y a des gens qui tellement pas le pays à marcher. Même que vous avez Jésus président pays d'Haïti, il y a dit qu'il n'y a pas d'accord parce que c'est dans le compte intérêt peuple qui fait comme vous. Encore une fois, je suis en accord avec tout parti politique, avec toute organisation, société civile là. Même le Sénat, il y a une résolution qui sort dans le Sénat côté où vous avez choisi Joseph Lambert comme président. Et automatiquement, tout le monde, c'est celle Joseph Lambert qui est capable de président pays. Ya. Parce que dans trois pouvoirs, il y a deux qui sont disparaître, c'est seulement le pouvoir législatif là qui est. Là, dans ce sens, c'est celle Joseph Lambert automatiquement, tout le monde, pas de route, pas de bois. Joseph Lambert, c'est lui-même qui mérite pour président pays. Ya. C'est Lambert. Si on a remettre en question la Constitution, ça sont l'autre bagaille. Mais si on a adopté sa Constitution, dit, c'est Joseph Lambert comme président provisoire pays. Ya. Opération Chaviré Chaudière, c'est un mouvement politique qui pote si Paul journée mardi 3 août 2021 avec choix président Sénat République là Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti, secrétaire général opération Chaviré Chaudière Eddie Saint-Fort avec secrétaire général adjoint Marc N.C. Pierre qui fait connaître Constitution 1987 là par reconnaître pouvoir exécutif sans président mandé à Premier ministre Ariel Henry pour qu'on choisisse Joseph Lambert comme président provisoire pays, j'en ai été promettre ça, pendant qu'on invite acteurs politiques pour supporter choix Joseph Lambert là, pour mener bac pays et puis arriver à organiser bon genre élection, établir un climat sécurité. Secrétaire général opération Chaviré Chaudière Eddie Saint-Fort, et secrétaire général adjoint Marc N.C. Pierre, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson registre. Jodia nous dit que Haïti pas qu'à périr. Nous, Haïti a plongé chaque jour. Nous n'avons pas accepté le pays à plonger comme ça. Et pour nous dire que nous avons 11 élus dans le pays d'Haïti. Et le président Jovenel Moïse, malgré le mandat fini, il n'a pas voulu quitter le pouvoir. La nature allait avec lui. Il est mort. Nous demandons que pour Joseph Lambert, en tant que président Grand Corps, pour prendre responsabilité, pour que lui-même avec le Premier ministre Ariel, pour mettre ensemble pour que yo installer Lambert comme président pays d'Haïti provisoirement pour organiser élection crédible
pour lui faire des bonnes élections, craser le conseil électoral qu'il a, faire un conseil électoral de consensus, côté tout le monde là-dedans, pour organiser des bonnes élections et pencher sur l'affaire sécurité, côté le monde pas qu'à traverser pour aller reste département pays qui bloqué dans Matissan. Matissan fait partie du département l'Ouest là. Nous pas qu'à accepter dans figure nous là dans le département l'Ouest là pour ça à passer là. Nous demandons Joseph Lambert, quoi responsabilité. Si le monde pas entré dans le gendarme, Joseph Lambert, c'est vous qui président Sénat, nous demandons quoi responsabilité pour faire tout dialogue avec Ariel pour que nous soyons capables de gagner le plus vite que possible un président qui est dans la tête paysan pour prendre contrôle du pays. Pour établir la sécurité, faire élection pour que dans le jour qui vient, nous gagnions un gouvernement qui est légitime pour diriger le pays, pour que tout le monde soit capable de sentir bien, pour que le business soit capable de faire, pour investir, soit capable d'investir dans le pays, pour que tout le monde avance. Jovenel Moïse, c'était lui-même qui a fait 11e élu. Mandat est fini 7 février 2021. Li pat jam fait élection en de pays, il était kidnappé par les nationales. Comme gen 10 élis qui pat, c'est pas yo même qui te gen prérogative pour te faire élection en de pays. La parmi 10 élis sa yo, Joseph Lambert, c'est président Sénat de la République là, président Assemblée nationale là. Et nous connaissons pas gen chambre député pour ta président Assemblée nationale là. Comme nous connaissons le Sénat siège en permanence, que Joseph Lambert, c'est le président Sénat. Et nous-mêmes, nous disons, nous n'avons pas appliqué l'article 136 là. Un exécutif, c'est deux têtes liguées, c'est président, c'est premier ministre. Et nous demandons tout acteur politique en deux pays. Le jour qui vient là, pour le mois d'août là, pas fini sans que pas un président la tête pays. Et nous-mêmes, là où on a quitté signé accord Kay Saint-Gil avec le président Lambert et le premier ministre Ariel, nous dit premier ministre Ariel prend responsabilité là accord qui est signé la chital de chita avec nous l'oasis qui t'a parlé ensemble avec nous pour respecter mol pour Joseph Lambert et nous demander pour Joseph Lambert gè contrôle échappe présidentiel là qui en dans misé panthéon national qui s'est mis pana. Comme c'est président Lambert qui a un mandat l'amel, un mandat légitime l'amel, et nous dit, le jour qui vient là, il faut que président Lambert échappe la passe la coule comme 59e président de la République. Éclair Info a continué pour nous dire, coordonnateur général parti politique Haïti en action, Yori La Tortue, mandé journée mardi 3 août 2021, libération pressée tout prisonnier politique yo, ak plaidé pour tablier un climat sécurité et stable dans le pays d'Haïti. Ancien sénateur Latibonit lan qui condamné mauvais conditions, li dit personnalité sa yo te joine arrestation yo à cause conviction politique yo, exige sans condition libération prisonnier politique yo, li dit moment pas possible pour ta kenbe yo nan prison pendant li mandé ak autorité concernée yo pour prendre bon gens disposition pour rétablir sécurité sur territoire national là. Dans sens sa yo, La Tortue fait diverses recommandations ak dirigeant yo sous façon selon yo même yo ta doit agir pressé pour appliquer comme disposition sécurité pour permettre environ 5 départements qui séparés à cause insécurité à reconnecter. Yuri La Tortue, c'est coordonnateur général Haïti en action, qui est dans le micro, Galensui et Jean-Sony Lemay. C'est la libération des prisonniers politiques. Dans le moment que nous vivons là, pas qu'à gagner un prisonnier politique, ça y est. Parce que il y a plein de monde qui a été arrêté, et monde ça y est, ont été arrêté en dehors de la loi. Ils ont été arrêtés pour des questions purement politiques. Et je dis, moi, je crois que. Ils n'ont pas arrêté dans la prison. Nous avons Anel, Kildi, Babaz, Job, Jean-Denis, Apollo au Cap. Nous croyons que le pile effort que l'avocat a fait, mais le pile dilatoire qu'il a fait. Je dis à Haïti en action et un pile autre organisation pour porter solidarité à tout le monde et nous dit qu'il est temps pour la guerre. Et nous avons dit, coup d'appel pour Ouest. Gagné habeas corpus qui t'a fait, il a demandé déposer pièce, il a dit pour que commission coup d'appel là, composition coup d'appel là, eh bien, il a statué et il a libéré monsieur, parce que je dis,
yo nan prison pour une seule raison, parce que yo te gen position politique extrêmement important et nous mandé dans le plus bref délai pour libérer prisonniers politiques yo. Je presque pas parler de li kidnapping a fait, presque moun pas parler de ça. N'importe qui moun qui sorti la car li volal faire une activité, c'est quand qu'on sont à héroïque tellement que eh bien li ka tombé ou bien ka kidnappé. Ça nous constate dans le pays. Sous question, c'est l'insécurité. Nous constatons qu'il y a 5 départements qui coupent de reste pays. Ou par là-dedans. On partit dans l'ouest là. Nip, Jérémy, Gradas, Sud, Okaï, Sud-Est, Jacmel. À cause de la route, côté que Bandio établit, c'est moun kap mouri chaque jour. C'est l'hôpital qui a fait bien. C'est la police qui a couru, qui n'a pas arrêté dans le commissariat. Et puis, c'est Kakunga qui n'a pas pris en l'autre côté. En plus, le policier est démotivé. Et puis, unité spécialisée, c'est Kakou, il est dysfonctionnel. C'est Kakou pas une unité spécialisée. Toute unité semble être unité de commissariat. Pas de différence entre police administrative et police judiciaire. Syndicat Travailleur Système National Formation Professionnelle, levé voyage jeudi mardi 3 août 2021 pour demander Premier ministre Ariel Henry pour assurer le principe continuité de l'État respecté pendant passage ligne dans tête primatia. Dans sens sa coordonnateur AI Syndicat Travailleur Système National Formation Professionnelle, John Registre, ak porte-parole AIA Mark Edison Joseph mandé pour nouveau responsable dans l'état yo finaliser environ 268 nominations pour différents centres professionnels tant que Mayotte ak Inche payer tout arriéré salaire yo activer ajustement salaire 2020-2021 pour nous citer ça seulement. Dans occasion John Regis ak Mark Edison Joseph voyant mise en garde by nouveau chef gouvernement yo dit qu'il a décidé désapprouver série nomination qui en couyo ça qui selon yo même ap la cause plusieurs centres professionnels fermé porte yo. John Registre ak Mac Edison Joseph te nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson Registre. La coordination du STSNFP donne cette conférence de presse pour rappeler à tous ceux et celles qui se battent pour la mainmise sur le contrôle de l'administration publique que la continuité de l'État est un principe vital et sacré parce que les hommes passent mais les institutions demeurent. En ce sens, le syndicat du sous-secteur de la formation professionnelle réclame sans condition la finalisation des nominations pour les centres comme Mayotte, Côte de Fer, Miragouane, Rinche, Pignon, Gonaïves, Mirbalais, Coteau, Caye, Cap-Haïtien, Grande-Rivière-du-Nord, Trou-du-Nord, etc. qui sont enclenchés depuis le 8 mars 2021. Résoudre le problème de l'alignement salarial, émarger les nouveaux nommés, payer indistinctement tous les arriérés de salaire, activer les ajustements de salaire de 2020-2021, exécution des contrats d'examen de fin de cycle de 2020. Cette situation, qui est une bombe à retardement, mérite d'être appréhendée dans le plus bref délai. Nous tendez que tu as gagné une décision primature pour désapprouver une nomination qui est en cours. Si c'est vrai, comme conséquence, décision ça pour la cause plusieurs centres professionnels fermés pour eux. Par exemple, Sainte Mayotte, École professionnelle Inche, École professionnelle Dekay, INFP. Si on série de centres que moun la de ou gete gen passé plusieurs années après une nomination et dossier ou te gete arrivé dans primature depuis 8 mars 2021. Ça veut dire, dans la liquidation des affaires courantes là, faut que l'être ça aussi. Ça qui arrivé, le Premier ministre a bloqué l'autre dossier pour ne pas lancer. Mais ça qui est grand là, au moins parce que les gens qui travaillent depuis des années, qui n'ont pas jamais touché, ils n'ont pas jamais nommé, ils ont droit dans la liquidation des affaires courantes pour les jeunes nominations. Rassemblement Madame Sarah d'Haïti dénonce mauvaise situation. Yo dit Madame Sarah yo a fonctionné avec mauvais traitement y a victime dans dernier jour sa yo. Coordonnatrice générale Rassemblement Madame Sarah yo, Jocelyne Jean-Louis, qui dressait un tableau sombre sur mode fonctionnement Madame Sarah yo dans période insécurité ya, mandé ak nouveau gouvernement Ariel Henry ya penché sous problème ak dossier Madame Sarah yo dans l'idée pour arriver joindre support accompagnement ak assistance l'état dans l'idée pour renforcer business yo qui fin craser en bas mauvaise situation insécurité ya. Dans sens ça Jocelyne Jean-Louis fait diverses recommandations ak nouveau ministre commerce là pour le diriger garder toute Madame Sarah yo. Jocelyne Jean-Louis c'est coordonnatrice rassemblement Madame Sarah d'Haïti yo qui était dans micro radio télé éclair. Ramsa rassemblement Madame Sarah d'Haïti c'est un secteur qui a plus passé 200 l'année d'existence.
côté ces gros femmes voyants, tout partout sous territoire national là qui a brassé économie pour qu'un pays a envie. RAMSA, c'est une structure organisée, regroupée plusieurs départements sous territoire noir. Nous constatons depuis quelques temps, gouvernement monté, gouvernement descend. Situation Madosara yo pas jamais changé. Yo plus roulé dans farine. Depuis tout temps, yo passé ridé yo. Madosara yo c'est une construction, une structure solide pour construire économie solidaire pour protéger capital commerce nous. Jodi a nous tendez un gouvernement. Rassemblement Madosara yo souhaiter gouvernement qui là même si c'est pour un petit bout de temps pour respecter droit marchand revendication marchand yo pas changé mais gon l'école qui fermé qui pral rouvrir dans un mois madame sarayo pas gain en nommé yo pour brasser pour préparer rentrer l'école petite yo marchand ka vive dans bloc sid là a monter un massifé à cause yo pas ka voyager avec sécurité pour venir vendre produits dans Port-au-Prince. Pas de moyen pour passer bâtissant en pile machin dans grand sud là. Perdu capital commercial à cause produits gâté dans meyo. À cause situation insécurité dans bâtissant. Mais quelle question n'a posé? Est-ce que gouvernement ça a un agenda pour accompagner madame Sarayo pour reprendre activité yo? À toute sécurité. Ministre commerce là, chita avec secteur ça pour nous, s'il vous plaît. Doléance madame Sarayo, en pile, yo besoin accompagnement. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Le coordonnateur général Parti politique Haïti en action, Yuri La Tortue, m'a dépressé pressé libération de tout prisonnier politique. Il dit qu'il ferme en prison à cause de conviction politique. Dans l'occasion, Yuri La Tortue profite de faire diverses recommandations à dirigeants pour établir un climat sécurité en Haïti. Collectif 4 décembre présenté journée mardi 3 août 2021, rapport rencontre yodi organisation te participé à nouveau premier ministre haïtien Ariel Henry semaine passée, coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui fait connait débat yo te chita sur différents sujets tant pour élection à sécurité déclaré collectif 4 décembre te profiter faire diverses recommandations sorti crise. Syndicat Travail et Système National Formation Professionnelle yo levé voyou jeudi mardi 3 août 2021 pour exiger nouveaux responsables dans l'état yo pencher pressé sur revendication moun dans secteur formation professionnelle yo parmi revendication yo c'est le responsable syndicat Travail et Système National Formation Professionnelle yo gen finalisation environ 268 nominations pour divers centres ak paiement arriéré salaire c'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel le journal nous merci pour patience ak fidélité ou te accordé à journal là, restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.